Nde na ngrife yo. Nde mo rife. Nere tanye ti khamme ribori rafira e mo rima. Afe wende o makadre ko be nambe. Parce que la Guinée cadre fanyé nana cadre ko be nana. Convention. Convention. C'est-à-dire, vous avez toujours souhaité de brûler ces pays. Vous avez toujours souhaité de mettre le feu dans ces pays. Mais c'est bon, parce que tout simplement, c'est des personnes qui sont là, qui n'aiment pas ces pays. C'est des personnes qui sont là, qui n'aiment pas le pouvoir même d'Alpha Condé, qui sont contre le pouvoir de M. Alpha Condé, qui est en train de parler la continuité. Mais quelle continuité? Moi, je vais vous dire, pour les personnes qui disent que la Guinée n'a jamais eu un ancien président. Si la Guinée n'a jamais eu un ancien président, ça va commencer à M. Alpha Condé. C'est vous qui avez fait votre déclaration. Ce que nous attendons que vous fassiez votre déclaration. C'est en ce moment-là qu'on va savoir, on va comprendre qui est qui. Parce que si Alpha Condé même se prononce pour dire que je vais faire un troisième mandat, je crois que ces pays-là, ces jours-là, Alpha Condé ne va pas dormir à Serutouréa. Alpha Condé ne va pas dormir à Serutouréa. Parce que tout simplement, vous êtes des traîtres, des lâches. Vous qui êtes là à dire que le koudaïsme dans le régime de M. Alpha Condé, vous avez lutté contre M. Alpha Condé. Vous avez lutté contre ce système. Vous vous êtes opposé pour dire que réellement, nous ne voulons pas M. Alpha Condé. Ça me fait mal au cœur lorsque je vois un Aboubakar Sylla qui était déjà un ancien porte-parole de l'opposition. Se permettre aujourd'hui pour dire qu'il faut parler de la continuité, il faut parler du bilan. Ça me fait mal au cœur de voir Moukhtar Diallo qui s'arrête aujourd'hui pour dire que réellement nous voulons M. Alpha Condé pour la continuité. Ça me fait rire. Mais vous pensez que vous êtes en train de faire à des Guinéens? Non, vous êtes en train de vous tromper vous-même. Partagez s'il vous plaît, parce que je suis en colère là, j'ai besoin au moins de voir 3000, 4000 sur ma page là en direct. S'il vous plaît, partagez. Partagez s'il vous plaît, partagez dans les groupes. Vous savez déjà comment ça se passe. Je vais vous dire, on ne va pas vous laisser ce pays. Le pays là ne vous appartient pas. Hein. Mais ce n'est pas vous le problème. J'ai toujours répété que c'est nous le peuple qui est le problème. Parce que tout simplement, on ne veut pas lutter contre ce système dictatorial. Parce que tout simplement, il y a des personnes qui ont préféré vendre leur dignité en prenant des miettes au profit de l'intérêt personnel des prostituées politiques qui n'ont aucun repère, qui n'ont rien dans la tête. Je vous dis, vous êtes que des taureaux. Vous êtes que des taureaux. Vous les faux cadres là, vous êtes que des taureaux. Vous n'avez rien compris d'abord. Mais vous êtes en train de faire votre mamaya. Continuez à faire votre mamaya. Nous avons toujours notre dernier mot. Mais l'histoire de ces pays retiendra qu'il y a certains cadres qui ont toujours souhaité de mettre feu en Guinée. Mais je vais vous dire, si vous allumez ces feux, vous avez détourné, vous avez volé des milliards et des millions en achetant des belles appartements à l'étranger, voire des belles pavillons à l'étranger. Vous n'aimez pas ces pays. Et là, ce n'est pas un problème communautaire qui est là, mais plutôt un problème de la Guinée. Parce que tout simplement, nous sommes dirigés par des fous. Nous sommes dirigés par des taureaux qui n'ont rien dans la tête. Qui ne veulent rien savoir. Il faut les faire comprendre. Il faut vraiment qu'on accepte de les obliger pour qu'ils comprennent notre objectif. Nous ne sommes pas contre un individu, nous ne mêlons pas un combat ciblé, mais nous voulons l'alternance dans ces pays. Ça montre réellement que RPG n'est pas un parti politique, parce que lors de la convention d'un parti politique, on a besoin de quoi? On a besoin des candidats. Il faut vraiment que les candidats se représentent. Il faut vraiment qu'ils aient des adversaires. Mais regardez, tellement que vous aimez organiser des mamayas, personne n'a décidé pour dire que je vais sortir contre M. Alpha Condé. Est-ce que là, c'est un parti politique, ça? Vous êtes des bandes de criminels incapables. Vous n'aimez pas ce pays. Vous avez toujours souhaité de mettre le feu en Guinée. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas soucié pour l'avenir de ce pays. Mais ce que je vais vous dire là,
Ce que je vais vous dire, comprenez-moi, si la Guinée brille, nous brillerons tous. Personne ne va sortir dans ces pays. Gibori mona fanyé mango nga kerenye bas Guinée nyama. Wato kalom tan na la hale na ma ba won na ma nge ma godde nan kalomra. Kalom tan bir mbar gema ti de fotema. Mousse far na ra tore kame khamedi setaria. Wali muna na gandina mu bor mi gaga mun seraba. Est-ce que Ibori Rafanyema, il y a un problème de l'électricité. Mais attendez, vous n'avez pas un autre bilan, vous n'avez rien. Vous n'avez rien fait pour ces pays. Vous êtes là à parler le problème de l'électricité, le problème de je ne sais pas quel, où est passé les milliards que vous avez financés. Des milliards, hein, je dis très bien, les milliards que vous avez financés, comment dire, en engageant le projet Sompiti, le projet Kalita. Vous avez même ramené un bâton pour dire que vous allez donner l'électricité à des Guinéens. Mais pendant un moment donné, il faut vraiment qu'on arrête. Bon, c'est pas grave. Nous sommes en face d'un président qui n'a jamais été sous-préfet, qui n'a jamais été préfet d'ailleurs, qui n'a jamais été ministre, qui ne connaît rien dans l'administration. Et c'est ça la vérité. Alpha Condé ne connaît rien dans l'administration. Alpha Condé même, il a dit que je ne connais pas la Guinée. Le professeur qui se dit professeur qui est venu pour faire le changement, là on ne voit pas le changement, c'est la continuité, c'est le même système qui est là. C'est le même système qui est là, c'est les mêmes personnes qui sont là. Les personnes qui ont fini avec le feu général Lansana Conti, ce sont les mêmes personnes qui souhaitent aujourd'hui en finir avec M. Alpha Condé. C'est des personnes qui ne sont pas souciées pour l'avenir de ces pays, mais ce sont des personnes, des jeunes qui sont souciées uniquement pour leur intérêt égoïste. Mes sœurs et frères, mes sœurs compatriotes, c'est vrai qu'on a assez parlé, mais vous avez vu comment Damaro a été humilié. C'est pour vous montrer que la majorité du peuple a compris que nous sommes manipulés. Que nous sommes manipulés par des traîtres, par des lâches, avec toutes nos richesses que nous avons. Aujourd'hui, vous partez demander à la Côte d'Ivoire de nous donner l'électricité. Et quand vous construisez les barrages là, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que la Guinée va vendre l'électricité à des Maliens, à des Sénégalais, à des Ivoiriens. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller négocier avec eux pour qu'eux, ils nous donnent de l'électricité. Alors qu'on dise que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Je vous dis qu'on est dirigé par des fous. Buis, nous sommes en face d'une révolution maintenant. Nous sommes en face d'une révolution. Je l'ai dit et je répète, nous sommes en face d'une révolution. Nous devons prendre notre destin à main. Parce que entourés, pris en otage par des traîtres, par des lâches qui regardent que leur intérêt égoïste, c'est une déclaration de guerre envers le peuple. Et si ils ont mis le feu contre nous, c'est à nous de répondre par le feu. Et je vais vous dire, le problème qui est là aujourd'hui, c'est un problème de l'alternance. Basse Guinée Forêt. Akuntiga ya rati wato ribori na la hale na hamma non di tambara yo bo ri kugo moen guiné misal mini ke on ful bebe kala ko woni fi alla ine la dobe mi tori ke on fok sen jabali fotu gol donu gol dungo fi be ke fere yo be yi kamen en perdre to parce que mi hop imbe bu be famali komba ke won menu gol hande na fi parti politique won menu gol de mais ko fi defandu gol sadia am le di on alla yo okka famu Allah oka yimbebe yobe famu dundo parce que la Guinée si foti si diang ari si marsi si gollenati ko fi en fona fi etni godi donc ko en andu seni hajoni bedo bekalamu parce que ko en woni yaw gol hore ame na bedo woni yaw gol en koi ko en woni yaw gol hore ame parce que fi honnu en dua defendu gol hore ame fi be ke fere yobe yu kalamu bedo be yida la Guinée. On a ni discours Moutar Diallo ko halu no hanki e hande no sedi na kele no e manin kalu mande mobal mbaral fo de nyuati mindo yiga bana men kuma fo ko le maham ala mu fanka diram molle Alpha Condé ko bi Alpha Condé ma di minye Alpha Condé re la hera ma di mo minye e telephone min kunun ka yendo e tere min fo Alpha Condé kun kalo bi wo mo kele le wulini ka fo ko elu Alpha Condé le et Alpha Condé le di Arrivis RPG mini nani tonoma yerekani tonoma ena foloda munabi wolule RPG kunatieni bi wolule RPG melanzeni bi wolule no
jamana maintien nimbi parce que et quand minke la sana compte là et a fait quoi les alpha condé la quand tu jamana maintien tous les bolo nimma de nimbolo di nyombolo ni alpha condé la kanda parce que ça peut pas continuer pendant un moment donné. On peut tromper un peuple pendant un temps, on peut pas continuer à tromper le peuple pendant tout le temps. Moi, je refuse d'être ministre dans la démagogie. Je refuse d'être gouverneur dans la démagogie. Je refuse d'être un haut cadre dans la démagogie. Partagez au moins, nous sommes, je ne sais pas, 300. Partagez. Parce que là, j'ai besoin de 1000, voire 2000. Les gens là, ils ont modifié la constitution. Leur constitution. Parce que là, ce n'est pas notre constitution. C'est pas, ça n'a pas été voté par le peuple, mais ça a été voté par un groupe des individus qui souhaitaient le faire. Parce que tout simplement, c'était leur seul objectif de pouvoir parler le problème du troisième mandat pour dire que c'est le premier mandat dans la 4e République. Les temps ont changé, les générations ont compris. Et nous, nous allons lutter jusqu'à notre dernier sort. Nous allons mourir en tant que des mentirs. Mais nous n'allons pas laisser ce pays dans la main d'un petit clan, d'un petit groupe des individus. Il faut vraiment que le peuple accepte de prendre son destin en main. Parce que l'avenir de ce pays, ça nous appartient. Autant basse Guinée-Forêt, autant basse Guinée-Sekétalé, autant d'Ornaki, les Guinéens sont gamfoloma, gamfoloma basse Guinée-Nam. Alors, je vais vous dire que C'est-à-dire, ma kiti ira, ma kiti, moussema ma kiti, mais rien à ma oua ou tan sarafé l'enda, ou sarma, eh, ou la siri amato korede, eh, bas guinée foré. Nanam fala ou même maman se gina rentam fonke kuntigi, rentam sa kana kana kama, ala nou an nebra fé, mba nakai mahadi, nakai hatike. Et falou kyo ki mbari mahadi hatike, korona kana fonke kuntigi, fama fonke kuntigi ba diende, kananan tanya ma wongo mbela kaso mbore ira, wonga ibohi kuma fala temu ibara alidi. Kono tonyege, miskine ya, furari ya, setari ya. Nalam bori bori kui. Ala mohima go. Ala mohima. Alukio ki ombiri mfarmane lo honde. Adama rimonon di fala fi wule fala. Kono naran dengife o mai bori kui to. Ama garu ama kini kini. Ama garu ama kini kini. Ala ramen ni faramu fi. Mire ma mire ne reyma faramu hi. Mais yi problem bili mbas Guinée nara. La Guinée problem bili c'est la basse côte. C'est la basse Guinée. Tout ce qui a été fabriqué, c'est la basse Guinée. C'est la basse Guinée qui a la tête de ces problèmes. Parce que pourquoi nous, nous vous demandons de vous lever, nous vous demandons de faire comprendre au roi Kolo, au roi Muti, sur ce fait rumba de Kanato. Adam Rimi Sigade Kolo, Wallahi Kede Kolo. Rimi Sigade Kolo. Ikeli de kolon parce que douner ne fatuma ta rima siga siga mato e fa fa nantoma kono wallahi billahi comme womba do wonna wo nyaati fera wonna fala ne tagi munafa gi yama yibo hi hundura kala bo de nuwa wonnu toro itore na kaki awombiri ndai lima awombiri ndai lima nego bar manguta na germa so na fa womma kolon gairi mangwonna wonye ta fi ne ki parce que ina ma ye ta fi Nanam fala bas kine fore be, eh bas kine souze, ou anke tombe da dinge, yo. Kono non dira fale bori rafe ranya? Non dira fale bori rafe ranya? La Guinée kra fe moulangri, ye fe moulangri, wad de fe moulangri, ba le fe moulangri me reye ira. Tout ça là, ça va s'arrêter quand? Tout ça là, ça pourra s'arrêter quand? Et vous êtes là?
à suivre les personnes qui sont là uniquement pour nous diviser, les personnes qui sont là pour se servir de nous, en parlant le problème des communautés, en parlant le problème d'ethnie, alors qu'on est tous mélangés. Magina Maria Makamara, oui, bébé, n'y a. En oubliant qu'il y a des soussous qui ont épousé des peurs, en oubliant qu'il y a des peurs qui ont épousé des malinqués, en oubliant qu'il y a des forestiers qui ont épousé des soussous. Pourquoi on peut accepter que des individus viennent gâter notre tissu social qui existait à l'époque? Pour quel motif? Au profit de leur propre intérêt. Et ça, le problème c'est quoi? C'est M. Alpha Condé et son clan. C'est M. Alpha Condé et son entourage qui ont décidé de mettre feu dans ce pays. C'est M. Alpha Condé et son clan qui ont décidé de violer la loi. Alors, vous avez décidé de violer la loi. Vous voulez que nous, on respecte la loi? Nous sommes dans un pays malade. Nous sommes dans un pays malade. Et puis, je répète, hein, la population guinéenne, je ne sais pas ce qu'on a dans la tête. Je ne sais pas ce que nous voulons. Je ne sais pas, on est soucié de quoi. Parce que un groupe des individus ne peut pas nous prendre en otage. En faisant plusieurs fois les déclarations insensées pour nous dénigrer. Les personnes, les profiteurs, les personnes qui regardent que leur propre intérêt égoïste. Les personnes aujourd'hui qui nous ont pris en otage au profit de leurs propres intérêts. Les personnes qui sont là à nous mélanger. Les personnes qui sont là à nous diviser. L'heure est au rendez-vous. L'heure est au rendez-vous. Mais nous allons défendre ce pays. Nous allons défendre l'intérêt général de ce pays. Nous allons prendre des profiteurs. Oui, nous allons prendre des profiteurs. Nous avons besoin d'un leader. Un grand leader. Un homme fort. Déterminé. Quelqu'un qui a le courage de broyer des adversaires, des ennemis de ce pays, de les réduire en poussière et qu'il arrive. On a besoin d'un leader qui est prêt à être au premier rang du front. Parce que nous sommes avec les personnes qui n'ont aucun respect envers nous. Nous sommes avec des personnes qui ne sont pas souciées de notre pays. Nous sommes avec des personnes qui cessent toujours à nous diviser au profit de leurs propres intérêts. Eh, parce qu'il est foreign, à Kuntiga, il y a raté, alors ni les malins, il va le faire. Moi, en Guinée forêt, à l'ONU, à Kuntigé, à ressortissé, au bilingue de basket, la international, au bilingue de basket. On a fait, on a passé Guinée, il y a eu la Guinée femme fée, il fallait. Bah, la combat finit dans la Guinée. Guinée forestière, à responsable, au bilingue de Nantes, le 3 octobre, Nara, et Tarabundes, Bangura, yo, on a rangé à Foriba. Maria, ma mère, tout l'a compté, Maliki Kamara, Lara Touré, Mounia Yarou. Ja Ali, autant de gens qui communiquent, ils ont été en train de faire les trois en Arago. Nantes. Ils ont pris la décision. Association des étudiants guinéens qui sont en Belgique. Ils ont pris la décision. Association des Guinéens, des étudiants guinéens qui sont en Allemagne. Avec les associations guinéennes qui sont en Allemagne. Ils ont pris la décision. La France, la même chose. États-Unis, la même chose. Paris, la même chose. Toulouse, la même chose. Lyon, la même chose. Nous allons nous retrouver pour débattre l'actualité de ces pays. Parce que tout simplement, nous sommes tous des Guinéens. On ne peut pas laisser notre pays pris en otage par des individus aujourd'hui qui n'aiment même pas le monsieur Alpha Condé, qui ont décidé aujourd'hui de prendre monsieur Alpha Condé en otage. Non. Parti politique Femouna Hanadi. Quand les bourgeois arrivent, on a ramu la famille. Entendre les falas au fond que continue. On tente de lui à la manière. Non. Quand on tente qu'on n'a qu'à nous lui à la main. Quand on tente qu'on nous lui à la main. Quand on tente gérer, on lui à la main. Égoulé colon colon, go faire égoulé colon. On tente de lui à la main. Dende nama ouais tente que lira. Dende nama on tente que lira. Mais sauce ma kini kini basse Guinée forêt. Wom ma kini kini. Ina cigare fara. Ina canidere. Wom ma kini kini. Wo malantari abara toto ibo ko mbara kana namu fatang won tangam makon la fatang alana ma alana ta su gandi ma amanga ta to ngwa sama gurtandi donc na kui won na kan na pama won ka won sabar won bor be won ka kulu ibo ko na kai ki amu fam ma fulo hambi ibo ko na kai ki amu fam ma amu fam ma manike hambi ibo ko na kai ki
amufam masose rambi gibori na reki amufam ma foresi rambi gibori na reki amufam ma siyo na rambi hawom muti wongo mbelga sombori ila wonga nga kiri nyara kuti to yimi rebara nyende rafuti barkana miriyomuna be na ganta matofe and direct manaka falma afoli ke kuntigi ntanna den da reki awanta muma ninke game magoro hubi amufule gine magoro kono mami rinde famuna na amufule gine magoro ule nara. Donc réellement na ram fala mobe ala nu annabi khafira wonga wombe la so mbori ira wonga wombori khan wonga lula hunde kiri gibori muna fanyi wonga khamena nanna ina to mi rimi ni manyama nema isiga mi khibati ronni mais convention na ran na barto ça nous prouve que et les propos qui ont été tenus par Moutal Diallo, ce n'est pas manquer du respect à Moutal Diallo, mais normalement Moutal Diallo mérite d'être limogé, sassé de la Guinée, complètement. Parce que pour moi, je me dis que c'est un psychopathe. Comment ce que les autres n'ont pas pu dire, les propos qui n'ont pas été tenus par les autres, comment on peut obliger M. Moutal Diallo à dire cela? Et Moutal Diallo aujourd'hui, il se dit qu'il est fier d'avoir prononcé ça. Est-ce que réellement Moutal Diallo est un jeune conscient? Est-ce que réellement Moutal Diallo sait ce qu'il est en train de faire? Est-ce que Moutal Diallo se rend compte qu'on est en train de lui manipuler? Est-ce qu'il sait ça? Mais l'avenir de ce pays nous dira un jour que réellement M. Alpha Condé a été entouré des babatos, des profiteurs insouciés pour l'avenir de ce pays qui ont toujours décidé de mettre feu dans notre pays. Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, nous avons assez parlé. Ces gens-là, ils ont toujours souhaité de gouverner des cimetières. Il y a eu aujourd'hui combien de jeunes qui ont tombé en tant que des martyrs. Moi, précisément, je perds de rien. Parce que je sais que tout peut m'arriver. Je peux mourir comme Jakariaou Diallo. Parce que le premier jeune qui a été tué par l'axe, était un petit sur de Moutal Diallo qu'on appelle Jakariou. Vous vous rendez compte de ça? Et aujourd'hui, ce jeune a perdu sa vie en croyant à Moutal Diallo, mais aussi en acceptant de défendre la démocratie à l'époque, le moment que Moutal Diallo était au bon côté de l'histoire. Mais aujourd'hui, il s'est retrouvé dans la poubelle de l'histoire. C'est ça la vérité. Et ça, nous allons les poursuivre. Il faut vraiment qu'ils se rendent compte les propos qu'ils ont tenus, les propos qu'ils sont en train de tenir, les choses qu'ils sont en train de faire. Nous avons des enregistrements, nous avons des vidéos contre eux. Tout ça là, ça ne va pas se terminer comme ça. Parce que le peuple aura besoin de la vérité pendant un moment donné. Le peuple aura besoin de la vérité, de la justice pour tous ces mentirs, tous ces jeunes innocents qui avaient plein d'avenir devant eux, qui ont été arbitrairement assassinés. Et sans savoir pour quel motif ils ont été assassinés. Gardez leur corps pendant 3 mois, 4 mois. Vous avez déclaré la guerre contre le peuple. Nous allons vous répondre par le feu. C'est ça, il faut vraiment que ça soit clair pour tout le monde. Il faut mettre en place une application Benimbara. Mais les Guinéens mourent pour moi, basse Guinée mourent pour moi. Autant cadre comme une réduction. Autant basse Guinée tourne sans rien. Basse Guinée forêt brébore. Ou jeunesse brébore. Ou t'es quand on a fini. Partagez, envoyez-moi des cœurs. Envoyez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez-moi des cœurs. Envoyez-moi des cœurs. Envoyez-moi des cœurs. Mais comment dans un pays normal, on peut faire des choses pareilles comme ça? Vous n'aimez pas votre parti, RPS Arc-en-Ciel. Sinon, pourquoi de ne pas reprendre les élections comme il faut, mais aussi de présenter un autre candidat qui n'est pas M. Alpha Condé, organiser les élections libres et transparentes. Celui qui vient au pouvoir, on a juste besoin d'un bon Guinéen, peu importe sa communauté, mais qui peut faire l'affaire de ce pays. Avec tout ça là, vous refusez. Avec tout ça là, vous voulez continuer à nous diviser pour mieux régner. En parlant le problème communautarisme, aujourd'hui, si vous montez sur les réseaux sociaux, vous avez mal au cœur. Vous vous rendez compte réellement que nous sommes divisés. Et c'est ça qui donne la force à des incapables, à des traîtres, à des lasses, à des malhonnêtes de continuer à diriger notre pays. Blaise Compaoré était fort. C'était un grand leader. Blaise Compaoré a lutté pendant combien d'années?
pendant, il a assassiné son meilleur ami Thomas Sankara. Il a régné pendant combien d'années au pouvoir? Mais le jour que le peuple, parce que le peuple burkinabé était uni, le jour qu'ils ont décidé que Blaise va quitter au pouvoir, c'est Blaise même qui a quitté le pays.